Vous écoutez Cascas FM, il est 20h30, c'est l'heure de la grande édition. Les titres. 26 écoles, dont 3 maternelles et 3 écoles communautaires de base, ont reçu de la commune de Méry leur fonds de dotation d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Ce vendredi, le Khalife général des Mourides, Serigne Moultakha Mbake, a annoncé une date pour la prochaine célébration du Magal de Borokhane. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mam Diop, a rappelé ce vendredi aux députés qu'ils étaient surveillés et attendus par le peuple sénégalais. L'actualité internationale nous mènera en Mauritanie, au Mali et au Burkina Faso. Nous terminerons ce journal par le sport et la revue de presse dans un instant le développement. 26 écoles, dont 3 écoles maternelles et 3 écoles communautaires de base, ont reçu de la commune de Méry leur fonds de dotation d'une valeur de 13 millions de francs CFA en présence de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de PT, des directeurs d'école, des parents d'élèves et des conseillers de la commune de Méry. Écoutons Yerobey, adjoint au maire de la commune, au micro de Dembadien. Aujourd'hui est une journée mémorable pour toute la population de la commune de Méry. Nous nous sommes réunis aujourd'hui à Méry, à l'hôtel de ville, pour la cérémonie symbolique de remise de fournitures scolaires destinées aux élèves de l'école élémentaire et du préscolaire de la commune de Méry. 21 écoles élémentaires et 3 cases de tout petit de la commune de Méry. Il y a également 3 écoles communautaires de base. Ce lot de matériel également a été destiné aux élèves d'une enveloppe estimative de 13 millions a été dégagé par la commune elle-même sous l'égide du maire, sous le contrôle de la commission éducative pour soulager les parents d'élèves sur les fournitures scolaires. Ce matériel est venu à son heure puisqu'elle coïncide avec l'ouverture des salles de classe. Donc, nous souhaitons une utilisation ou bien une gestion rationnelle et vertueuse pour que les ayants droit puissent en bénéficier. On ne peut pas parler ce beau travail sans remercier le premier magistrat de la commune de Méry, M. Abakri Sow, directeur général de la SAED, qui fait de l'éducation une de ses priorités parce qu'il a toujours accompagné les parents d'élèves pour leur soulager cette lourde tâche durant cette période. Donc, nous le remercions vivement. Vu son engagement, nous sommes persuadés que l'éducation sera toujours en avant dans la commune de Méry. Nous remercions également l'inspecteur de l'éducation et de la formation de PT, M. Bassirou Kassé, qui s'est déplacé volontairement pour assister à la cérémonie. Et il a vraiment été très heureux, très satisfait parce que le matériel, la dotation est venue à son heure. Je ne serai terminé sans remercier ou bien sans décerner une mention spéciale au président de la commission éducation, M. Daouda Dia, qui est un enseignant créé à la main, surveillant général du lycée de Medina Diadbi, qui a vraiment été à la hauteur et il a répondu aux attentes. Donc voilà un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc il reste maintenant à exhorter les chefs d'établissement, c'est-à-dire les directeurs d'école, les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves, les présidents des commissions de gestion des établissements, utilisation rationnelle, équilibrée pour que les ayants droit puissent en bénéficier. Donc il doit penser à la APE. Prioriser d'abord les élèves dont les parents sont à revenus faibles. Et nous espérons que cela va se faire. Donc, nous espérons également que l'année scolaire 2022-2023 produira des résultats. Nous attendons des résultats parce que une enveloppe d'une valeur de 13 millions qui a été débloquée et mise à la disposition de la commission sous le contrôle ou bien sous l'engagement de la commission, si on parvient à mettre ce matériel-là à la disposition des ayants droit, c'est-à-dire les élèves en priorité, c'est juste pour l'amélioration des enseignements apprentissage. Donc nous pensons et nous souhaitons que l'année scolaire soit une année apaisée avec d'excellents résultats. Merci Dembadien. Ce vendredi, le Khalife général des Mourides, Serigne Moultakha Mbake, a annoncé une date pour la prochaine célébration du Magal de Borokhane. La date du Magal de Borokhane est fixée au jeudi 3 février 2023, a informé l'Académie Minam. Deuxième plus grand événement religieux de la confrérie mouride, le Magal de Borokhane célèbre la mère du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Mame Diara Bousso est décédé vers 1866. Depuis, le village abrite sa sépulture. Aujourd'hui, Borokhane est le lieu de pèlerinage annuel pour des centaines de milliers de personnes, notamment des Sohna Diara, qui rendent hommage à la maman de Khadim Rassoul. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mam Diop, a rappelé vendredi aux députés qu'ils étaient surveillés et attendus par le peuple sénégalais et même au-delà, après la séance d'installation très mouvementée le 12 septembre dernier. M. Diop s'exprimait lors de l'ouverture de la session ordinaire unique 2022-2023 de l'Assemblée nationale en présence de 154 députés sur les 165. Il a signalé que tout naturellement, les élus
peuvent avoir des points de vue divergents, invitant ainsi ses collègues à agir avec responsabilité et efficacité sous le sceau particulier de la sérénité lors des différents travaux. Après l'ouverture de la session ordinaire unique 2022-2023, suivront la lecture du projet de budget, les travaux en commission, les travaux en plénière devant aboutir au vote du projet de budget 2022-2023. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mabdiop, vient d'annoncer la démission de Sokhna Dieng Mbake, la femme du guide religieux Serigne Modou Kara Mbake, investie sous la bannière de la coalition Benno, a démissionné au profit de Koura Maki. Selon le président de l'Assemblée nationale, l'ex-député a justifié sa démission par convenance personnelle. Pour rappel, le parti de Serigne Modou Kara Mbake, PVD, est membre de la coalition présidentielle Benno Bokyakar. Des groupements de femmes de Niakhen, une commune du département de Tiwawon, ont reçu hier un financement de plus de 33 millions de francs CFA du mouvement Kar Natangé, a constaté l'APS. Kar Natangé, un mouvement du ministre conseiller Abdou Mbop, en collaboration avec le maire Moustapha Sila et le Pamekas, ont octroyé un financement de 33 millions de francs CFA, 33 millions 50 000 francs CFA à 29 groupements de femmes de Niakhen. 22 de ces groupements ont reçu chacun 1 250 000 francs CFA. 3 d'entre eux ont empoché chacun 1 million de francs CFA. 2 groupements se sont retrouvés avec 750 000 francs chacun. Les 2 autres ont eu droit respectivement à 550 000 et 500 000 francs CFA. Selon le maire de Niakhen, par ailleurs, aux conseillers des collectivités territoriales, ce financement est un premier jet de crédit octroyé à un taux de 5% remboursable sur 12 mois, dont 2 mois de différé. Le maire avait mis à la disposition des femmes de Niakhen une enveloppe de 2 millions de francs CFA qu'elles se prêtaient entre elles sous forme de crédit revolving. Ce fonds est aujourd'hui estimé à 4 millions de francs CFA. Dans le cadre de sa contribution au plan national de réponse 2022, le PAM dit avoir assisté 225 000 personnes, 28 000 ménages en insécurité alimentaire dans 4 départements, Matam, Kanel, Ranerou et Goudiri, avec une assistance inconditionnelle de 40 000 francs CFA par ménage. Dans un communiqué publié en prélude de la Journée mondiale de l'alimentation, dont la célébration est prévue dimanche, le PAM ajoute que dans le cadre de la prévention de la malnutrition aiguë, il a aussi ciblé 39 790 bénéficiaires, dont 27 157 enfants de 6 à 23 mois qui recevront chacun 12 000 francs CFA sur les 3 mois de soudure et 1833 femmes enceintes et allaitantes qui recevront chacune 36 000 francs CFA sur la même période. Les zones couvertes sont les départements de Matam, Kanel et Ranerou, précise la représentation de l'agence onusienne au Sénégal. Le ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, Galoba, a précisé hier à Sali Portidal les grands axes des réformes devant permettre à l'administration sénégalaise de s'adapter aux exigences du monde professionnel actuel. La rencontre de 3 jours porte sur l'actualisation de la lettre politique sectorielle et du développement du ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public. Ce document, une fois élaboré, va permettre à ce département ministériel de se déployer sur les 5 prochaines années pour une administration sénégalaise performante. Le ministre de la Fonction publique a assuré que les réformes allaient déboucher sur la dématérialisation et l'actualisation de toutes les procédures. Il a insisté sur le fait que l'administration sénégalaise devait être en phase avec les défis du monde actuel. Le gouverneur de la région de Kolda, Sayer Ndaw, a annoncé la mise en place d'un dispositif permettant de renforcer la sécurité des élèves face aux risques d'accidents liés, entre autres, au foisonnement des mototaxis dans cette partie sud du Sénégal. Le gouverneur de Kolda s'entretenait hier avec des journalistes à l'issue d'un comité régional de développement consacré à l'évaluation des instructions et les engagements qui ont été pris pour assurer une bonne rentrée scolaire.
Le gouverneur a ainsi révélé avoir donné des instructions très claires au commissaire central et au commandant de compagnie de gendarmerie pour que l'on puisse non seulement assainir l'enceinte de l'école, mais surtout les environnements des écoles pour assurer la sécurité des enfants et des enseignants. Pour réclamer des postes dans l'entreprise Petrowal Mining Company, PMC, qui opère dans leur village, les jeunes de Mako, dans la région de Kédougou, ont fait éclater leur colère hier sur la route nationale numéro 7. Vers 5 heures du matin, ils ont barré la route et stoppé les véhicules de l'entreprise PMC, fait descendre le personnel, puis ont incendié 2 minibus et caillassé 8 autres. Bien cagoulés lors de leurs actes, ces jeunes ont été retrouvés par les enquêteurs de la gendarmerie. En effet, durant la journée d'hier, les gendarmes ont procédé à l'arrestation d'une centaine de jeunes. Après avoir été conduits au commissariat, ils ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Terminons la page nationale par la météo. Au cours des prochaines 24 heures, des activités pluvio-orageuses sont attendues sur les régions sud, avec des risques de débordement sur le centre-sud, Kaolack, Kafrine, Tamba, Fatick, le centre-ouest, Djourbel, Fatick, et à des risques moyens de sur Dakar et Thiès, annonce l'ANACIM. Compte tenu de la couverture nuageuse, la sensation de chaleur sera moins marquée dans une bonne partie du pays, notamment dans les régions sud et le littoral, où les températures maximales varieront entre 30 et 33 degrés, ajoute l'agence dans son bulletin de ce vendredi 14 octobre. Dans un instant, la page internationale. L'actualité internationale. La commissaire à la sécurité alimentaire Fatoumetou Mintou Khatri a tenu mercredi à Rome deux séances de travail avec le président du comité de sécurité alimentaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Donald Brown, et le vice-président du Fonds international du développement agricole, Gabriel Afriro. Au cours de ces deux entretiens, la commissaire a passé en revue les efforts déployés par le gouvernement mauritanien pour améliorer et renforcer la sécurité alimentaire dans le pays et faire face aux crises provoquées par la conjoncture internationale contraignante dans le but d'en limiter les effets sur les conditions de vie des citoyens. Le Mali continue d'enregistrer des incidents sécuritaires liés aux activités des groupes armés non étatiques. C'est un événement tragique. Jeudi 13 octobre, un bus de transport en commun a heurté un engin explosif improvisé à Tilé sur l'axe Bandiagara-Sévaré dans le centre du Mali. L'incident qui s'est produit au début d'après-midi a fait une dizaine de morts selon plusieurs sources locales. Après le coup d'état contre le coup d'État perpétré par le capitaine Ibrahima Traoré il y a deux semaines, les dirigeants de la transition burkinabé appellent à des concertations pour une nouvelle charte. Ce vendredi marque le début des assises qui doivent donner les gages du respect de la feuille de route proposée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'élection du président. Dans un instant, la page sportive. Bonsoir Mamoudou. Oui, bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Allez, vous nous présentez la page sportive. Oui, nous commençons par l'actualité locale avec le tournoi des ASC de Cascas, tournoi donc qui va jouer sa finale dimanche donc après demain, 16 octobre. Ce sera entre l'équipe de Tantadji et celle de Mbar. Bien, la finale sera donc parrainée par Maître Abou Khalidou Sall. Donc, ce sera dimanche au terrain central de Cascas entre Mbar et Tantadji. Du côté de Medine Ndiagbe, plutôt du côté de Medine Soubal, le
Le troisième match s'est joué cet après-midi. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'équipe de Dembano Bey qui est venue à bout de l'équipe de Tidiane Dougou Diop par le score de 1-0. Donc, la prochaine rencontre aura lieu dimanche. Nous y reviendrons. L'actualité au Sénégal, c'est également la Ligue 1 sénégalaise. La Ligue 2, donc la Ligue 1 qui reprend ses droits à partir de demain samedi 15 octobre à 17h. Tenguich FC recevra les douanes. À 17h toujours, le Stade Dombour accueillera Guéjoie Football Club. À la même heure, le Giraffe de Dakar recevra l'équipe de la SC Sounewar. À la même heure également, Dakar Sacré-Cœur affrontera l'équipe des Djambars. Ce sera donc le match des académiciens le dimanche, toujours à 17h. La Linker Saint-Louis recevra l'Union Sportive de Gorée. Pékin fera face à Génération Foot. Et enfin, le CAS Sport recevra l'équipe de Seneps de Thiès. Et retenez toujours donc le sport que l'équipe féminine du Sénégal affrontera donc le Chili en match de barrage pour la Coupe du Monde 2023. Eh bien, en prélude à ce match, le Sénégal jouera un match amical contre la Colombie. Donc, ce sera le dernier tour qualificatif donc pour la Coupe du Monde féminine. Et pour terminer, retenez que le joueur français N'Golo Kanté sera forfait pour la Coupe du Monde. C'est un coup dur pour la sélection des Bleus. Blessé aux ischio-jambiers, le milieu de l'équipe de France, N'Golo Kanté, ne sera pas rétabli à temps pour disputer la Coupe du Monde prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Donc c'est un premier forfait. Peut-être pas le dernier, tant les organismes des joueurs internationaux sont mis à rude épreuve depuis le début de la saison. Eh bien, l'équipe de France ne pourra pas compter sur la présence d'N'Golo Kanté pour cette Coupe du Monde donc 2022. Rappelons que les Français sont champions du monde en titre après avoir donc gagné leur deuxième étoile en Russie. Voilà, Ibrahima, l'essentiel de cette page de sport de ce jeudi. Merci Mamouria Thiam. Dans un instant, la revue de presse avec Mohamedou Labadjabi. Les quotidiens sénégalais parvenus ce vendredi à Apan traitent principalement du risque de blocage de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session unique et parlementaire en raison de l'équilibre des forces entre les députés du pouvoir et de l'opposition. L'Assemblée nationale ouvre sa session unique ce vendredi avec plusieurs questions qui seront traitées d'ici les prochaines semaines, notamment le vote du budget de 2023. Toutefois, la coalition présidentielle Benno Bokk-Yaakaar a perdu sa majorité absolue après le départ de l'ex-premier ministre Aminata Touré, rappelle Busby, qui note que cette session parlementaire ne sera pas ordinaire. Mais Omar Youm, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk-Yaakaar, espère pouvoir compter sur la responsabilité de l'opposition afin de ne pas bloquer le vote du budget, non sans dire qu'ils vont surveiller leur ex-camarade Mimi Touré, devenu député non inscrite. Toutefois, celle-ci dit qu'il ne se préoccupe même pas de Benno Bokk-Yaakaar, alors que Malik Kébé, député de la coalition Yewi Askanui, affirme qu'ils ne voteront pas un budget de complaisance. Cette situation préoccupe l'observateur, soulignant que l'année parlementaire au Sénégal risque d'être mouvementé comme le fut en septembre dernier l'installation des nouveaux députés. En effet, cette 14e législature est marquée par l'équilibre des forces entre l'opposition, 83 sièges, et le pouvoir, 82 sièges. C'est pourquoi le nouveau président de l'Assemblée nationale, Amadou Mamadou Diop, a été élu dans la tension pendant que Aminata Touré était de liste de Benno Bokk-Yaakaar aux dernières élections législatives et dont l'espoir de se hisser au perchoir a été brisé sur l'autel du camp présidentiel, rompait son compagnonnage avec Macky Sall. Si le plus dur commence, donc le journal prévient que l'hémicycle risque de se plomber au regard des dossiers chauds qui l'attendent. Le vote du budget, l'amnistie de Kanye Watt et Khalifa Sall, la destitution de Mimi Touré, sa proposition de loi contre certaines nominations du chef Delta, etc. Alors que son ex-premier ministre veut limiter ses pouvoirs de nomination à l'égard de certains membres de son cercle familial, le président Macky Sall, en revanche, s'attaque au véhicule de fonction des responsables du service public pour réduire la charge budgétaire Delta. D'après les échos, désormais, une indemnité forfaitaire globale nette d'impôts est attribuée aux ayants droit
voie des véhicules de fonction. Il est prévu aussi un allègement des différents parcs de l'État par des procédures spécifiques de réforme et de cession des véhicules. Le témoin conduit ses lecteurs à voir les nominations à tous azimuts de responsables de l'Alliance pour la République APR, le parti présidentiel à la tête des sociétés nationales, maquis à Pélise, à tout va, s'exclame-t-il. En effet, le journal constate que depuis 3 semaines, conseil des ministres après conseil des ministres, le président de la République recycle ou propulse des responsables de son parti à la tête des sociétés nationales comme PCA ou DG. Est-ce un moyen de préparer le troisième mandat, s'interroge le journal. À cette question, un éditorial du directeur de production du journal, Mamadou Oumar Diaye, répond oui, soupçonnant des ballons de sonde lancés sur l'opinion par Macky Sall pour s'enhardir ou rétropédaler, suivant les réactions de la population sénégalaise. Djabi, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, le rappel des titres. Vingt-six écoles, dont 3 écoles maternelles et 3 écoles communautaires de base, ont reçu de la commune de Méry leur fonds de dotation d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Ce vendredi, le Khalife général des Mourides, Serigne Moustapha Mbacké, a annoncé une date pour la prochaine célébration du Magal de Prokhane. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mam Diop, a rappelé aux députés qu'ils étaient surveillés et attendus par le peuple sénégalais. L'actualité internationale nous a menés en Mauritanie, au Mali et au Burkina Faso. Je vous retrouve à 23h pour la dernière édition. Dans un instant, la version poulard avec Demba Dieng.